La bourse de New York a ouvert en baisse ce lundi pour la première séance du mois de février. Un Dow Jones plombé par des indicateurs d'activité décevants en Chine, par la rechute des cours du pétrole, mais aussi par un indice ISM manufacturier américain tombant à 48,2 points. Le dollar faisait lui face à des mouvements variés en ce début de semaine. L'euro-dollar prenait 0,46% à 108,81. La livre britannique dollar avançait-elle de 0,43% à 1,42,96. Le dollar yen enfin était stable à 121,28. Focus ce mardi sur le duo euro-livre britannique, un duo qui est supporté par une ligne de tendance ascendante et qui évolue au-dessus du support situé à 0,7565. Vous pouvez dès lors vous attendre à des positions longues au-dessus de ce support vers des cibles à 0,7645 puis 0,7665 en extension. Les métaux précieux de leur côté se dirigeaient vers une hausse. On commence en focus avec l'or. L'or dont les prix se maintiennent au-dessus du support de basse clé autour des 1110. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances se tournent à la hausse. Dès lors, des positions longues sont attendues au-dessus de 1110 avec des cibles situées à 1128 et 1135 en extension. L'argent enfin avançait tranquillement de 0,14% pour une once 3 qui s'échangeait contre 14,36$. Pour Trading Central, en direct ici depuis la Bourse de New York, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et tous.